L'Égypte commence, à partir du moment où elle a dédommagé la compagnie pour avoir annulé la corvée, elle commence à avoir des dettes. Alors les dettes, c'est avec des banques européennes, spécialement la banque Rothschild. Et on lui impose des dédommagements et on le... Je passe beaucoup de détails et en 1875, l'Égypte endettée est obligée de vendre, on l'oblige à vendre la part égyptienne dans les actions de la compagnie, à qui ? À l'Angleterre. Et donc c'est le premier ministre d'Israël, premier ministre anglais d'Israël, qui fait cet accord d'achat des actions, et avec l'aide de la banque Rothschild, il l'achète pour pas grand-chose. 4 millions de livres sterling. Plus tard, ils mettront la pression sur le sultan ottoman pour enlever du pouvoir le khédive Ismaïl. Donc l'Égypte se retrouve sous tutelle et l'Angleterre se retrouve en position de force dans la compagnie du canal de Suez. Elle se retrouve, comme l'avait dit Gladstone, pratiquement propriétaire du canal. Et en 1882, ils inventent un prétexte et ils viennent occuper l'Égypte. Donc l'Angleterre envahit l'Égypte en 1882. Pour protéger le canal de Suez, soi-disant. Ils ont essayé de rentrer en Égypte par Alexandrie. Orawi Bacha et son armée égyptienne les a empêchés de rentrer par Alexandrie. Donc il a fait le détour et il est passé par le canal de Suez, il est rentré par Ismaïlia avec l'accord de M. de Lesseps. Voilà comment l'Égypte a été occupée. Et c'est à partir de ce moment-là que tout le mouvement nationaliste égyptien contre l'occupation anglaise va commencer. Depuis Orabi, suivi par Mustafa Kemal, le Parti National, plus tard avec le Waft, et tout le mouvement nationaliste donc réclame le départ des Anglais et la récupération du canal de Suez. Donc voilà deux choses très liées ensemble. Dans l'esprit des mouvements nationaux égyptiens, il n'était pas question que ce canal qui avait causé l'occupation reste aux mains de la compagnie du canal et il fallait que l'Égypte le récupère. En 1910 particulièrement, il y a un événement, la compagnie du canal avec les Anglais derrière demande de prolonger la durée de la concession de 40 ans. Donc au lieu qu'elle se terminait en 1968, elle se serait prolongée jusqu'en 2008. Le Parlement égyptien refuse et le Premier ministre égyptien qui a présenté la demande de la compagnie se fait assassiner, Boutros Bachareil. Donc ça c'est... Oui, ça c'est vrai. Donc c'est un mouvement national qui va durer de 1882, depuis le début de l'occupation, jusqu'à la libération, jusqu'à la sortie des Anglais d'Égypte. Et ça a toujours été lié au canal de Suez. Pourquoi ? Parce que, comme je disais au début, la position stratégique de l'Égypte fait que... Là, je vais vous parler un petit peu des coulisses de l'affaire
de la récupération du canal de Suez. Donc, comme je disais, dans le mouvement, dans la poursuite du mouvement national, il y a beaucoup de gens qui ont demandé la récupération du canal, dont un monsieur qui se trouve être mon père, qui, dès l'année 1945, a commencé à préparer le côté juridique. C'était un avocat. Donc, il a commencé à préparer le côté juridique, comment faire pour récupérer le canal pour que les Anglais s'en vont. Donc, il a étudié les archives de tout ce qui concerne l'histoire du canal. Et il a préparé une thèse de doctorat à la Sorbonne à Paris. Les derniers administrateurs de la compagnie du canal, qui s'appelait, le président de la société s'appelait François Charleroux, le directeur général Georges Picot. Georges Picot, c'est le petit-fils de M. Picot qui a signé les accords Sykes-Picot. Donc, il sous un couvert diplomatique, en accord avec le gouvernement égyptien du Waft, en 1950, il entre dans les archives de la compagnie du canal à Paris. Il arrive à convaincre les dirigeants de la compagnie de le laisser entrer dans les archives pour trouver des documents, pas pour la thèse de doctorat, mais pour faire un livre en arabe sur la compagnie. Et il trouve un document principal, essentiel, l'acte de création de la compagnie du canal de Suez. Cet acte de création, on disait, la compagnie s'appelle Compagnie universelle du canal maritime de Suez. Donc les gens universels, ça veut dire que ce n'était pas égyptien. Et que son siège principal était à Paris. Donc dans l'esprit des gens, c'était devenu une société française. Et lui, il trouve l'acte constituant la compagnie qui précise que c'est une société anonyme égyptienne, dont le siège est à Alexandrie. Et elle a le droit d'avoir un siège administratif à Paris. Mais c'est tout. Mais c'est une société égyptienne. Même si les propriétaires des actions sont étrangers, elle, la situation juridique de la société, c'est qu'elle est égyptienne. C'est son statut. Il présente dans sa thèse à la Sorbonne, devant un jury français de très haut niveau, le sujet avec les documents prouvant que c'est une société anonyme égyptienne. Pourquoi il a voulu faire sa thèse à Paris, non pas ailleurs? Il fallait qu'une entité internationale, en l'occurrence française, approuve le principe que c'était une société égyptienne. Et la thèse, donc, est admise à la Sorbonne en juin 1951, disant que la société du canal de Suez est une société égyptienne. Et d'ailleurs, ça a fait scandale dans certains journaux qui ont dit comment ça se fait que la Sorbonne s'occupe de ce genre de choses, comment ils ont accepté, etc. Mais les documents étaient là. Et je vais vous faire écouter un petit extrait vidéo. Il n'y a pas de son, désolé. Une fois qu'il a eu sa thèse, il est rentré en Égypte. Il a commencé à faire campagne contre la compagnie en éditant un journal qui s'appelle Canal de Suez, à ses frais. En 1952, il y a eu la révolution. En 1953, le roi est parti. En 1954, Nasser l'a appelé
il lui a dit « Maintenant, il faut que tu arrêtes de parler du canal de Suez et de faire la guerre à la compagnie du canal de Suez. » Parce qu'on essaye de signer les accords avec les Anglais pour qu'ils retirent leurs soldats du canal de Suez. Vous savez qu'en 1936, l'Égypte avait signé avec l'Angleterre un traité, Mouahada. Ce traité disait que les Anglais se retirent d'Égypte, sauf du canal de Suez, où ils ont gardé 88 000 soldats. Et en 1954, il y avait les négociations donc, entre le gouvernement égyptien et l'Angleterre pour la sortie des soldats anglais du canal de Suez. Donc Nasser, quand il a appelé M. Hifnawi, il lui a dit « Tu arrêtes de parler du canal de Suez. » Parce que les Anglais ne veulent pas signer l'indépendance en pensant que c'est nous qui te poussons à leur faire la guerre et à demander la récupération du canal. Donc maintenant, tu arrêtes jusqu'à ce qu'on signe l'indépendance de l'Égypte. Et après, une fois qu'ils seront partis, on nationalisera le canal. Et effectivement, il a arrêté le journal, il a arrêté tout ça, jusqu'en 1956, il y a eu la nationalisation. La veille, c'est-à-dire le 24 juillet, Nasser l'a appelé et il lui a dit « On va passer toute la nuit ensemble pour écrire le décret de nationalisation du canal. C'est toi qui vas l'écrire, mais je veux comprendre tous les tenants et les aboutissants de cette affaire. » Et il a écrit le décret. Nasser l'a déclaré le 26 juillet. Et le canal est devenu égyptien à partir de cette date-là. Plus tard, mon père s'occupera de négocier avec les Français le dédommagement des actionnaires de la compagnie, parce que l'Égypte a dû payer de l'argent pour tous ceux qui avaient des actions, qui récupèrent la valeur de leurs actions, à la valeur de la Bourse de Paris la veille de la nationalisation. 29 octobre de la même année, non pas à la demande de la compagnie, mais à la demande du gouvernement français, anglais et israélien, il y a une attaque militaire qui se fait contre l'Égypte, soi-disant pour récupérer le canal, mais en fait, c'est parce que la France de Guy Mollet et l'Angleterre de Anthony Eden voulaient se débarrasser de Nasser à la tête de l'Égypte. Parce que Nasser, il envoyait des armes en Algérie pour le FLN. Et donc ça arrangeait les Français de se débarrasser de lui. Et les Anglais, parce que Nasser avait refusé d'entrer dans le pacte de Bagdad pour faire une armée unique du Moyen-Orient. Seulement, cette guerre va tourner très court. Elle s'arrête au bout de quelques jours parce que, primo, les soviétiques tapent sur la table et menacent Paris et Londres d'envoyer des bombes nucléaires sur les deux capitales. Si vous ne vous retirez pas de l'Égypte, on envoie nos bombes sur Paris et Londres. C'était probablement du bluff. Mais ça a poussé les Américains, Eisenhower, qui était en campagne électorale, à dire aux Anglais et aux Français, mais arrêtez tout de suite ce que vous faites. Qui vous a dit de ne pas nous dire que vous allez envahir l'Égypte? Retirez-vous tout de suite. Donc, ça a duré quelques jours, et les Anglais, Françaises et Anglaises ont dû se retirer. Les seuls gagnants dans cette affaire, en fait, c'est les Israéliens, parce que eux, pour intervenir, ils avaient demandé une contrepartie.
Ils avaient demandé que la France leur donne des armes. Et c'était la première fois aussi qu'ils avaient demandé l'arme nucléaire. Et ils l'ont obtenue. La centrale nucléaire de Daimon, dans le Negev, date de cette époque-là, avec ce qu'on appelait les accords de Sèvres, du 13 octobre 1956. C'est resté secret, mais après tout le monde l'a su. Donc ça, c'était ce qu'on appelait l'agression tripartite, Rodouan et Soulez, qui a duré quelques jours et qui s'est arrêtée et que l'Égypte a vu. Bon, plus tard, dans les mémoires de mon père, il décrit comment il va s'occuper de dédommager les porteurs d'action du canal, et puis après il s'occupera de recueils juridiques sur le droit maritime en temps de paix dans le monde. Voilà, et donc j'ai récupéré, pendant des années j'ai commencé à récupérer les mémoires qu'il avait écrites à droite à gauche pour en faire un livre que j'ai édité à Paris il y a à peine 2 mois. Voilà, je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Merci, monsieur.